50 ans après sa reconnaissance officielle, l'histoire a donné raison à l'église kimbanguiste. Les adeptes de Papa Simon Kimbangu ont la tête haute du fait que leur père a révélé les choses cachées. Papa Simon Kimbangu n'a donc pas un successeur jusqu'ici. De ce fait, la question se pose. Il faut plutôt se contenter du présent. Ce samedi 25 décembre 2010, le groupe théâtral Kimbangu, le principal organisateur de ces festivités, comme toujours, a procédé de très bon matin au carnaval qui a eu comme point de chute la résidence officielle du chef spirituel. Tous les choristes se sont retrouvés devant et chantent. Thank you.
L'animation a permis à favoriser la sortie du chef spirituel représentant légal de l'église kimbanguiste et c'est une explosion de joie. Une année après, voici un nouveau et véritable contact entre le chef spirituel et le groupe théâtral kimbanguiste. C'est vrai que la joie, on la vit. Regardez.
Au fond, il faut donc dire que le groupe théâtral kimbanguiste a fait le gros paquet cette année. On parle d'environ 7000 choristes venus de différents horizons, notamment de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Angleterre, de l'Espagne et d'Afrique, dont la République du Congo, la République d'Angola et la République démocratique du Congo et le Soudan. Passe. Outra frontière, passe.
Thank you.
Yoliwa, liwa zela mananuna
nasi mayozuanga yoliwa vitasana na lumisala mbolo na ngaya pesika nasi mayozuanga surtout chef de l'État.
likambo oyo aye kobimisa wana ndenge papa malongo aza koloba ete toyelelaka liboso bokonzi ya nini nsima nde esika chef de l'état ake kokundola révision procès papa malongo papa liangela aza koloba ete tata na ngai bazali kobosa na ye esika oyo tomoni babosani ye me babosani ye te babosani ye te vraiment nakolamuka ezopesanga esengo mpo bakoko na biso likambo bango basalaki tomoni yango ntina valer kuna bango bazali baza na esengo nzambe moko boyebaka ya papa kolutu soki ndenge nini biso bawei soki ndenge nini boyebi yango repetition bosali te bokulo boyebango